Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'opening sur mon gros compte cette fois avec les cristaux X-Force, donc ça va être les derniers. Donc malheureusement je pourrais pas faire une opening complète de 10 cristaux comme j'avais fait au premier. Mais du coup je vais faire les 8 quand même. Donc voilà, c'est les 8 derniers, il n'y en aura plus. Donc voilà, j'ai pas fait assez de missions pour en avoir 10. Je pense qu'il y avait moyen d'en avoir beaucoup plus, mais malheureusement, j'avais pas le temps de faire plus. Sinon, j'aurais loupé pas mal de VS. Enfin voilà, j'ai préféré en louper quelques-uns. J'ai essayé de faire ce que je pouvais en fait, parce qu'il y en a qui tombaient la nuit, d'autres qui tombaient quand je travaillais, d'autres qui tombaient, enfin, qui tombaient pas à des moments, qui tombaient pas à des bons moments pour moi. Donc voilà, c'est dommage qu'il l'ait mis ce mois-ci. Étant donné qu'il y a le mois d'août par exemple où je vais être beaucoup plus présent et beaucoup plus actif. Voilà. Du coup, on est parti. Alors, ce qu'il nous faudrait, un petit Bishop 4 étoiles, ça pourrait être sympa. Ou surtout, une petite X-23 2 étoiles. Voilà, c'est vraiment ce qu'il nous faudrait. Après, sinon, le reste, c'est que du bonus. Et bah, Bishop 2 étoiles, une nouvelle fois. Donc, que j'avais éveillé avec une pierre, hein, bien sûr. Donc voilà, il va nous manquer du coup que X-23 en 2 étoiles. C'est vraiment le seul héros qui nous manque dans ces cristaux. Décidément, c'est l'ouverture Bishop. C'est l'ouverture Bishop. Si on peut avoir le Bishop 4 étoiles, écoutez. Mais c'est vrai que la petite X-23, voilà, c'est une exclusive. Même. Dommage. Ah, oh, elle était derrière. Parce que à chaque fois, elle me passe devant comme ça et elle me dit bonjour, mais non, elle veut pas rester. Elle veut pas rester dans mon roster. Que ce soit dans les cristaux Logan. Première fois, j'avais eu Wolverine. Deuxième fois, j'avais eu Old-Man Logan. Dans les cristaux de filles également, je l'ai pas eu. Enfin voilà, elle veut pas. En espérant qu'elle veuille dans les quatre derniers. Parce que sinon, on devra attendre encore une fois. Voilà, c'est dommage. Ok, donc Psylocke. Ça fait toujours des éclats 4. Hein. Il y en a trop là. Il y a beaucoup de X-23, j'en vois beaucoup. Hein. Allez, il nous en reste 3. Allez, s'il vous plaît. La petite X-23 là, on la voit pas mal. On la voit pas mal comparée à l'autre vidéo. Encore Bishop. Non. C'est pas bien, Bishop. C'est pas bien. Allez, s'il vous plaît. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Dommage. On l'aura pas eu. Hein. Bon, il me reste un dernier, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il veuille me la donner. Hein. C'est dommage. Et Wolverine. Ça sera Wolverine. Donc malheureusement, je n'aurais pas chopé la Wolverine X-23 2 étoiles. Voilà. Cette chasse à la Wolverine X-23 bah, reprendra quand elle reprendra. Donc quand je pourrai. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, on a eu 3 Bishops. Une fois Psylocke. Ensuite, on a eu du 2 étoiles. Et on a eu un 3 étoiles qu'on avait déjà au max. Donc, à savoir Colossus. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo. Donc, là, c'était une vidéo assez rapide. Hein, parce que j'avais pas. Déjà, j'avais pas le temps de tourner un truc un peu plus long. Je vais prendre de l'avance là, bah, au moment où je tourne cette vidéo, juste après, là, pendant que celle-là sera en train de se upload, sur le top champion, parce que j'aurai pas le temps en fin de semaine avec le match de l'équipe de France notamment, qui arrive demain, et comme c'est le vendredi, généralement que je le fais, vendredi après-midi, j'aurai pas trop le temps. Donc, du coup, je vais prendre de l'avance et ainsi vous tourner ça ce soir, enfin cet après-midi. Et donc d'ailleurs, je vous annoncerai la semaine prochaine. Le concept qui remplacera le top champion, parce que là, comme vous le savez, ça fait 3 mois que donc le top champion est lancé, et que là, ça va être le dernier, ça va être le top 10 du jeu.
Et du coup, je trouvais ça sympa, donc tous les samedis, de se retrouver et que vous sachiez qu'il y avait donc ce type de vidéo-là. Je trouvais ça sympa d'avoir vraiment un concept qui revienne vraiment tous les samedis. Et du coup, en fait, enfin, j'ai trouvé un nouveau concept à vous faire tous les samedis et qui vous fera également participer. Donc, vous verrez, mais c'est un concept qui va durer pas mal de temps, je pense. J'ai pas de. Là, je savais que c'était 3 mois, comme il y avait 12 épisodes. Là, il y en aura plus que ça. Enfin, ça va vraiment durer longtemps. Voilà. Donc, en tout cas, ça reviendra tous les samedis et je vous annoncerai dans la semaine qui arrive. Donc, normalement, voilà, lundi, mardi, mercredi, je sais pas, je ferai une petite vidéo d'annonce pour annoncer ce nouveau concept. Voilà, bah, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez que ça va être, ce petit concept. Et sur ce, je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de présentation des compétences de Ghost. C'est pas la vidéo de ce soir, j'avais prévu que ça serait celle de ce soir. Malheureusement, là j'ai plus assez d'énergie et j'ai pas envie de claquer une recharge d'énergie, bah, je vais attendre en fait qu'elle arrive, enfin que je vais attendre d'avoir mon énergie de remise pour vous tourner cette vidéo. Du coup ça sera celle de demain, donc de jeudi, de vendredi pardon. Voilà, et du coup samedi on retrouvera le top champion et après on retrouvera d'autres vidéos sûrement d'opening avec l'incollectable que je vais bien avancer. Donc je pense qu'il y aura un super opening qui va arriver rapidement, en début de semaine prochaine. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos et bonne journée. Allez, salut, à la prochaine.